Charlène de Monaco semble aller beaucoup mieux. La preuve, son premier déplacement avec son mari depuis de nombreux mois. Mercredi 22 juin 2022, elle était à Oslo avec le prince Albert de Monaco pour un déplacement officiel à l'étranger. Un tel événement se n'était pas produit depuis le départ de Charlène de Monaco au début de l'année 2021 pour l'Afrique du Sud. Après avoir eu de nombreux problèmes de santé, elle a voulu se rendre à Oslo avec son mari et leurs enfants pour participer à l'inauguration, en présence du prince Haakon, de l'exposition Sailing the Sea of Science, naviguer sur la mer de la science, au Framsit. Pour cette occasion, Charlène de Monaco avait opté pour un look très chic dont elle a le secret. Elle était en tailleur pantalon noir. Un choix très masculin qui lui allait à la perfection. Sur les clichés du déplacement de la princesse, on peut la voir souriante et particulièrement à l'aise. Elle semble être heureuse de reprendre ses fonctions aux côtés du prince Albert de Monaco. Charlène de Monaco semblait heureuse de reprendre ses fonctions de princesse avec cette exposition. Le musée du Fram rend hommage au prince Albert Ier de Monaco, à l'occasion du centenaire de sa mort. Le prince actuel, le prince Albert II, a également fait preuve d'un grand engagement environnemental et climatique. Il y a 10 ans, il s'est rendu au Finnmark, entre autres, pour en apprendre davantage sur la façon dont le changement climatique a affecté les peuples autochtones. Il a également mis en garde contre les forages pétroliers dans l'Arctique, s'est engagé dans le Grand Nord et a financé des recherches qui apporteront des solutions au virage vert, a rappelé la télévision norvégienne NRK, pour évoquer cette visite princière.